Ok, donc deuxième partie de la correction de cet exercice, donc où on veut, donc pour PQ non nul et non égaux à 1, calculer le nombre moyen d'étapes partant de 1 pour y revenir. Et c'est donc l'étape au premier retour. Ok. Alors, hop, on saute une ligne et on recommence. Alors, on va donc dénombrer les chemins qui vont de 1 à 1, donc 1 n'apparaissant pas à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, on a 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc ça, je vais l'appeler C0, tiens. Ok. Et quelle est la probabilité de proba, allez, ça suffira, P fois 1 fois 1 fois Q, donc PQ, ok? On a aussi, donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, mais je pourrais, comme je fais 1, 2, 3, 4, d'accord? Je pourrais revenir à 2, 3, 4, d'accord? Et donc je pourrais dire que C1, c'est. Alors, j'ai pas dit, il est de longueur 4, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, hein, voilà. Et donc celui-là, alors 1, 2, 3, 4, et hop, je repars sur le 2, le 3, le 4 et le 1. Okay. Donc ce chemin C1, c'est un peu comme celui-là, sauf que vous voyez qu'au lieu de faire 3, 4 ici, non, non, au lieu de faire 4, 1 plutôt, donc ce 4, 1 là normalement, pardon, je reboucle sur 2, 3, 4, d'accord? Donc le 2, 3, 4 se répète. Okay. Donc il est de longueur, alors de longueur ratée, 7, si je ne me trompe pas, 1, 2, bon, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça doit être ça. Hein. Surtout que normalement, il n'y a pas de 20 à la fin. Et de proba. Alors, quelle est la proba? La proba, c'est donc P fois 1 fois 1, 1 moins Q, 1, 1, Q. D'accord? Donc, c'est PQ, 1 moins Q. OK? Mais je pourrais avoir C2, le chemin donc où je fais 1, 2, 3, 4. D'accord, je suis là, et puis après je fais deux fois le triangle, d'accord? Alors je vais écrire 2, 3, 4, virgule, 2, 3, 4, d'accord? Et puis 1, ok? Donc j'écrirai le 1, ok? De longueur, alors cette fois-ci il est 10, donc bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? À chaque fois je compte l'aller comme ça, et donc le dernier c'est le 4, 1. Donc, longueur 10 et de proba. Alors, quelle est la proba? Donc, P fois 1 fois 1, 1 moins Q, que je prends une fois, deux fois, 1 moins Q carré, puis je reviens à fois Q. D'accord? Donc, de proba. Alors, je vais juste déplacer ça, que vous puissiez voir un petit peu. Hop. Donc, PQ, 1 moins Q carré. Ouais. Hop, c'est bon. OK? Et ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Le temps. Je peux prendre autant de fois que je veux le chemin, le petit triangle là, ici. D'accord? Donc CK, bah, je vais le prendre. Alors pour C2, je l'ai pris deux fois. Donc CK, je vais prendre 4, K fois. D'accord? Donc c'est 1, 2, 3, 4. Et puis après, vous répétez 2, 3, 4, 2, 3, 4, comme ça. De manière à ce qu'il soit en plus K fois. D'accord? Donc C0, c'est celui-là. C1. C'est celui-là où j'ai ajouté 1, 2, 3, 4. C2, c'est donc le premier où j'ai ajouté deux fois le 2, 3, 4. D'accord? Et là, je fais 1, 2, 3, 4. Et puis après, bon, je vais mettre 1, 2, 3. D'accord? K fois. OK? Et quelle est la probabilité? Alors, de longueur déjà, de longueur. Quelle est la longueur? Alors, j'ai 4 plus 3K. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce que 4, c'est ça. Et 3K, ben, c'est ça, en fait. D'accord? Là, c'était le 4 que j'ai là. Là, c'était le 4 plus 1 fois 3, 7. Et là, c'était le 4 plus 2 fois 3. D'accord? 6 plus 4, 10. Ok. D'accord? Et 2 proba. Hop, je le mets en dessous. Donc, c'est PQ fois 1 moins Q puissance K. Pourquoi? Bah, parce que, hop, je prends une fois P, une fois Q à la fin. D'accord? Et puis après, ça, je le fais K fois. Et en le prenant K fois, à chaque fois, je fais fois 1 moins Q. D'accord? Parce que c'est 1, 1. Là. C'est plus simple. Ok? Donc voilà enfin mes premiers chemins. Mais c'est pas tout, hein, il y en a d'autres. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc qui est fait avec ça. Ok? Alors le deuxième, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux faire ça aussi. 1, 3, 4, 1. Ok? Alors je vais l'appeler D. D0. D0, c'est le chemin. Donc 1. Alors attendez, je vais essayer de me recadrer comme ça. C'était plus joli. 1, 2. Non, 1, 3, raté.
4, 1. Ok? Donc de longueur, bah 3. 1, 2, 3. Et de proba. Donc j'ai quoi? J'ai 1 moins p fois 1 fois q. Donc de q fois 1 moins p. D'accord? Mais pareil, des 0, d'accord? Mais je peux avoir des 1 qui est. Donc, ah oui, ben voilà, quand je suis à 4, en fait, je peux refaire mon tac-tac ici. Vous êtes d'accord? Donc, je fais 1, 3, 4. Et puis après, quand je suis à 4, je fais 2, 3, 4. Ok? Donc, de longueur 6. Et de proba, Q, 1 moins P, celle qui est au-dessus, fois, et puis le petit triangle là, on sait que la probabilité, quand je le prends, c'est 1 moins Q. Hop. 1 moins Q, bah, 1 moins Q, voilà, comme ça. Ok, je reprends pourquoi, d'accord? Le 1, 3, 4, 1, 3, 4 qui est là. Donc 1, 3, ça fait P, 4, bah, ça fait 1. Après, il y a donc une fois là, le triangle ici, ça fait 1 moins Q, et puis après, vous faites le dernier truc là, fois Q. D'accord? Donc ça vous fait P fois Q. Non, c'est pas ça. 1 moins P fois Q, pardon. Je voudrais récupérer ça, voilà. 1 moins P fois Q, c'est, si on veut, le truc d'ici. Et puis là, c'est le triangle. Okay? Et puis, bah, le D, machin, je peux le faire autant de fois que je veux, en fait. Hein, d'accord? DK égale, donc mon fameux 1, 3, raté. 1, 3, 4, d'accord? Et puis après, je répète mon 2, 3, 4. 4, voilà. Je le répète K fois. Ok? Donc, de longueur. Quelle est sa longueur? Sa longueur, bah, sa longueur, c'est 3 plus 3 quarts. D'accord? Puisque je 3, c'est ça. Et 3 quarts, bah, parce que ça, c'est la longueur 3 que je répète K fois. D'accord? Pouf. Et de proba. Et de proba. Alors, la proba, donc c'est Q1 moins P. Alors pourquoi je fais ça? Bah, c'est parce que c'est Q fois 1 moins P, d'accord? C'est le truc extérieur quand je ne suis pas dans la boucle. Et puis après, la boucle, c'est 1 moins Q puissance K. 1 moins Q puissance K. Ok. Donc voilà, donc toute une série de chemins. Donc j'en ai une infinité ici, une autre infinité ici qui n'ont pas grand-chose à voir, enfin, à part le triangle, mais sinon, vous voyez que ça part pas du tout du même endroit. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout, hein. Alors une fois qu'on a ça, donc on a deux tris de chemin, comment on va faire notre calcul là, hein, le nombre moyen d'étapes en partant de 1 pour y revenir. Ben, c'est une expérience. Donc je vais écrire le nombre moyen d'étapes pour le premier retour à 1. C'est comment? Ça va être égal à quoi? Égal, hein, d'accord. Bon alors ça va être quoi? Ben, ça va être 3 fois la probabilité d'y aller en 3 tours, en 3 pas, plus 4 fois la probabilité d'y aller en 4 étapes, en 4 pas, plus 5 fois, etc., fois la probabilité d'y aller en 5 pas, et ainsi de suite. D'accord? Alors, c'est pas très pratique de dénombrer par rapport au nombre de pas. Il vaut mieux, comme je sais que j'ai que ces deux types de chemins-là, il vaut mieux que je fasse que je dénombre tous les chemins plutôt comme ça. D'accord? Donc ça va être quoi? Donc ça redistribuer différemment. Ce que je vais dire là, ça va être quoi? Ça va être donc, eh ben ça va être. Alors les CK, donc ça va être la somme. Alors pour l'instant, oh tiens, je vais en français. Hein, pour la somme de, bon, on va faire pour K positif. Enfin ça peut valoir 0 en fait, d'après ma notation. Hein, d'accord? Alors le C0, il est de longueur 4. D'accord? Donc on a dit que c'était 4 plus 3K, ça c'est la longueur du chemin, fois la probabilité de CK. Ok? Plus, et l'autre c'est, donc si je prends un chemin DK, la longueur hein, c'est 3 plus 3K, fois la probabilité de DK. Ok? Alors je continue juste un petit peu comme ça, avant de passer sur la feuille en fait. Donc qu'est-ce que je peux dire? Alors je peux dire que c'est la somme. Pour les k qui sont supérieurs ou égaux à 0, alors de quoi? Donc pour l'instant, je vais laisser les coefficients comme ça. Je vais juste dire p de ck, on a dit que c'était quoi? Ck, c'est là. pq, 1 moins q puissance k, d'accord? Donc, alors je ne mets pas le fois, pq, 1 moins q puissance k, plus 3 plus, raté, 3k. Fois, et dk, on a dit que c'était là, c'est q, 1 moins p, 1 moins q,
puissance k. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous essayez de calculer ces choses-là, donc ça avec les formules de série géométrique, hein, et puis moi, je le fais tout de suite sur la feuille, hein. Alors, j'ai écrit donc la même chose que tout à l'heure, simplement sur la feuille, ok? Donc, je vais faire ça en deux temps, hein, d'accord? Alors, on va faire tranquillement. Donc, on va séparer les sommes, d'accord? Et puis c'est tout. Hein. On va pas s'énerver trop. Donc, 4 plus 3k, pq, 1 moins q puissance k, plus la somme. Alors, j'ai pas dit que, mais c'était pour les k positifs. De 3 plus 3k. Alors, il y a plein de façons de traiter cette somme-là, hein, d'accord? Ok. Donc, je vais petit à petit. Ok, sauf que j'ai oublié le plus important, hein, le puissance k. Ok, donc petit à petit, je vais casser. C'est ici que ça va me changer de la vie. Donc, première somme, c'est la somme, pour k supérieur ou égal à 0, de 4 pq 1 moins q puissance k, plus la deuxième partie, celle-là, la somme de 3k pq 1 moins q puissance k, plus troisième partie avec le 3 qui est ici. La somme de 3q 1 moins p, p 1 moins q pardon, puissance k, plus quatrième partie, celle-là, la somme de 3k q 1 moins p 1 moins q puissance k. Ok. Alors, là-dedans, il y a deux types de trucs. Il y a ceux qui sont puissance k et il y a les k puissance k, parce que le reste, ce sont que des coefficients. Hein. 4, p, q, 3. Alors, k, c'est pas un coefficient, non, c'est l'indice de sommation. D'accord, mais sinon les PQ, etc., et puis les constantes, 3, 4, hein, c'est la somme. D'accord? Donc en fait, on va avoir deux types de sommes, l'une qui est la géométrique et l'autre qui est donc la dérivée de la géométrique. Okay? Donc je vais vous rappeler ça juste après, mais pour l'instant, je fais ça. Hein, d'accord? Donc je mets en facteur ce que je peux devant. 4 PQ, somme de 1 moins Q puissance K. Ça, c'est très bien. Là, attention, j'ai K PQ, donc c'est K fois le X puissance K moins 1, si vous vous rappelez. Donc je dois mettre 3 PQ et je dois prendre un des 1 moins Q ici, comme ça me fait la somme des K 1 moins Q puissance K moins 1. Plus, donc là pareil, je peux mettre lui en facteur, c'est bon. 3 Q 1 moins P, somme des 1 moins Q puissance K. Et lui, et le dernier, donc comme là j'ai K fois le truc puissance K, il faut que je mette puissance K moins 1. D'accord? Donc je prends un des 1 moins Q que je mets devant. Alors, qu'est-ce que j'ai comme constante? J'ai 3, j'ai Q, j'ai 1 moins P, j'ai donc 1 moins Q, et donc j'ai la somme des K 1 moins Q puissance K. Alors, pourquoi tout ça? Parce que, alors je vais essayer de trouver un stylo rouge pour écrire ça. Voilà, donc rappelez-vous, hein, on a que la somme des x puissance K, c'est 1 sur 1 moins x. Donc k étant supérieur ou égal à 0, et la somme pour les k, alors des kx k moins 1, c'est 1 sur 1 moins x puissance, enfin au carré, d'accord? Alors là on peut mettre 0 à cause de lui, du 0, d'accord? Mais attention parce que là vous faites un x puissance moins 1, donc c'est bon, mais faut faire attention quoi. D'accord, et donc je ne vous donne pas la condition, enfin je vous dis que x il faut qu'il soit compris entre strictement plus petit que 1, entre 0 et 1 par exemple. Pour que ces formules-là soient vraies, ce qui est le cas ici, puisque ce sont des probabilités. D'accord? Ok, donc celle-là et celle-là, c'est cette formule-là. Donc je vais écrire, hein, écoutez. Hein. Donc ça me fait 4 PQ, et donc ça, c'est l'inverse de 1 moins cet argument-là. Mais cet argument-là, c'est 1 moins Q, d'accord? Plus, donc alors l'autre, c'est comme ça. Donc 3 Q, 1 moins P, et ça, c'est donc 1 sur 1 moins 1 moins Q. Attention, hein, d'accord? Le x, hein, le x qui est là, c'est le 1 moins q. Okay? Donc le 1 moins x, c'est 1 moins 1 moins q. Et les deux autres, c'est là. Eh ben, c'est l'autre formule, donc c'est le carré. Donc ça fait 3 pq 1 moins q fois, et donc là c'est 1 sur 1 moins q, tac, le tout au carré, comme ça. Et là, ça fait 3q 1 moins p 1 moins q, eh oui, sur 1 sur 1 moins 1 moins q, tac, tac, au carré. Ok? Alors en fait, depuis tout à l'heure, donc je vous dis les 1 moins q, 1 moins q, etc. En fait, le 1 moins 1 moins q, c'est donc q en fait. Okay? Donc je sais que c'est divisé par q en fait. Donc là, je vire le q qui est ici. Donc ça me fait 4p plus 3. Alors là, attention, j'ai un q carré. Hein. Donc ça me fait p
1 moins Q, donc je vire 1 de là, fois 1 sur Q, plus 3. Alors là, c'est juste Q ici, donc ça vient avec le truc là. Donc, ça fait 3, 1 moins P, plus, et le dernier ici, donc j'ai Q carré, donc il vient avec 1 Q ici, donc ça me fait 3, 1 moins P, 1 moins Q, fois 1 sur Q. Hop là. Ouais. D'accord? Bon, et maintenant, il faut mettre ça au propre, essayer de simplifier et on va trouver la solution. Alors, j'avais mis en pause pour réfléchir un petit peu à quoi faire avec ce truc, hein. Donc, en fait, je vais faire ça. Je vais faire. Alors, là, j'ai 4p et puis là, je vais développer. Je vais faire 3 moins 3p. D'accord? Comme ça va simplifier. Bah, écoutez, ici, je vais faire la même chose, hein. J'ai 3p a sur q, attention, moins 3p. D'accord? Parce que moins q fois q, ok? Bon, bah, ça s'appelle développer, hein, ce que je fais. Hein. Ok. Donc, 3 facteurs de. Alors, ça fait quoi? Ça fait 1 moins p moins q plus pq, le tout divisé, enfin, divisé par q, quoi. Ok. Alors, dp, combien j'en ai? J'en ai 4 ici. Des constantes déjà, peut-être? Des constantes. Ouais. Bon. Bon, on verra après. Alors j'étais en train de dire les p. Donc j'ai p ici, j'en ai 4 moins 1, 3. Pouf. Ah ouais, non, j'en ai 3 aussi ici. Donc moins 2p finalement. Plus 3p sur q. Plus 3, plus, et puis ça je le développe. Alors allons-y. 3 sur q moins 3p sur q moins 3 plus 3p. Ok? Eh ben alors, ça me donne quoi tout ça? Ça me donne. Ah non, vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas depuis tout à l'heure quand même. Hein? Ah non. Ah. Voilà, c'est comme ça. Donc ça me donne quoi alors? Attendez. Donc des P, il y en a combien? Ça c'est quoi ça? Pourquoi c'est gribouillé là? Ah, je l'ai vraiment gribouillé? 4, moins 3, ça fait moins 6, ouais, ça fait moins 2. Ok. Donc le moins 2, donc là c'était, il n'y en avait pas. Donc moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, ça en fait 1, ça fait P. Des constantes, regardez, le 3 ici, il va mourir avec le moins 3 ici. 3pq moins 3pq. Waouh, il meurt, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Il me reste juste 3 sur q. Bah écoutez, c'est tout, hein, plus 3 sur q. Et voilà. C'est ça. C'est le retour. C'est la probabilité, pardon, de retour de 1 à 1. D'accord? Le nombre d'étapes. Non, c'est pas la probabilité, rien à voir avec la proba. C'est le nombre d'étapes du retour. De 1 sur 1. Okay? On va prendre quelques petits exemples numériques. D'accord? Ok, donc bon, j'ai tapé les formules que vous imaginez. Donc pour P, alors par exemple, on va prendre bah, 0,5 et 0,5. D'accord? Et donc, si jamais vous avez bah, 0,5, 0,5, d'accord? Le retour se fait en moyenne en 6,5. D'accord? Si vous prenez, je sais pas, hein, un quart et 0,5, tiens, voilà, en 7 machin. D'accord? Si c'est lui. Non, pourquoi? 1,4, c'est pas du tout ça que je voulais dire, hein. C'était un quart, parce que P c'est une 1, 0,25, il m'embête, ça y est, bon, d'accord, tiens, 0,25 lui aussi, et ainsi de suite, d'accord, vous voyez donc, ça me donne bien le 1, enfin, ça me donne bien, bah, ça me donne un nombre d'étapes de retour, ok, c'est-à-dire, hein, plus les probabilités, enfin bon, comme c'est remonté à 1, là, plus la probabilité Q, en fait, va être petite, je pense. Plus ça va être grand. Bah tiens, on va essayer ça, tiens. P, je vais le laisser à 0,5, d'accord? Et puis je vais prendre des. Donc, je vais prendre Q de plus en plus petit. Alors je recommence à 0,5, ok? 6,5, 0,25, d'accord? 0,125, vous voyez que ça augmente. 0,75, bon, etc. D'accord? Ça augmente, pourquoi? Parce que bah, pour terminer, là, pour refaire le retour à 1, plus ma probabilité ici est petite, plus celle-là est grosse, et donc plus je vais faire, hop, le tour ici. D'accord? Et donc plus ça va m'allonger mes probabilités de retour rapide, quoi. Ok? Voilà. Alors, quelques étapes. Alors, qu'est-ce qui était intéressant? C'était donc de pouvoir remarquer ça, d'accord? Donc là, ça, c'était intéressant de pouvoir déjà le formaliser, ok? Pour les deux, alors c'est pas facile, facile. Après, de savoir exprimer le nombre moyen d'étapes pour le retour de 1 à 1 en fonction de ces longueurs de chemin-là et les probabilités de ces chemins-là, d'accord? Donc c'est en fait une espérance. Alors sur ce truc-là, hein, d'accord? C'est-à-dire l'ensemble des éléments possibles, ce sont les chemins, et puis leur probabilité sur les chemins, c'est le truc-là, d'accord? Et puis voilà, et donc c'est sur les longueurs plutôt, la variable aléatoire, sur ça, bref.
C'est compliqué à mettre en forme, mais vous l'écrivez comme ça, et puis voilà. Et puis après, ben, il fallait le calculer, quoi. C'est-à-dire le truc avec que j'ai fait sur la feuille, d'accord, pour séparer, etc. Donc ça reposait sur les séries géométriques. Hein. Alors dernier point, qu'est-ce que ça a à faire un exemple comme ça dans notre cours? Alors ben, en fait, c'est par exemple toujours pareil. Bon, on va imaginer une photocopieuse, d'accord. Donc là, elle est en attente. Enfin, il se passe rien en sommeil, quoi. Elle peut être mise en activation par quelqu'un qui est. Enfin, elle peut se réveiller là, ou par quelqu'un, ou être directement en impression. Enfin, bref, vous imaginez un truc, d'accord? Là, c'est en panne, machin, bon, je sais pas. Ok? Voilà. Et donc, ça, c'est l'état initial, et on se demande, bah, quand est-ce que je vais revenir à l'état initial, d'accord? Quand est-ce que ma machine va terminer de faire son cycle de différentes étapes, et quand est-ce qu'elle sera redisponible dans cet état-là, ok? Voilà, donc vous pouvez imaginer des étapes en préchauffage, en action, en panne, etc. D'accord? Et donc voilà pourquoi file d'attente. Bon, parce que c'est donc lié aussi à ça, c'est-à-dire à l'état du système tel qu'il évolue, quoi. Voilà, bon, je pourrais faire un exemple faux avec des files d'attente, du style là il n'y a personne, là il y a une personne qui arrive, mais quand il y a une personne dans la file d'attente, il faut qu'il se passe quelque chose, enfin il faut qu'elle ait terminé pour qu'il se passe quelque chose, enfin bref, etc. etc. quoi, hein. Voilà, donc bah, c'était pour cet exercice sur les chaînes de Markov des discrets, version deuxième partie.